Au Chili, dans le désert d'Atacama, il existe deux anciennes cités minières abandonnées. Cependant, et d'après la population locale, elles ont la particularité d'être hantées par de nombreux esprits. Voici leurs histoires. En 1872, Guillermo Wandel Company fonda les usines de salpêtre de Santa Laura, ville connue sous le nom de la Noria, tandis que James Thomas Humberstone fonda la société Pérou Nitrate, ville également connue sous le nom d'Humberstone. À cette même époque, cette région faisait encore partie du Pérou. De nombreuses usines furent construites pour exploiter et extraire le gisement de salpêtre, mais aussi pouvoir l'exporter dans le monde entier. De 1872 à 1934, l'industrie du nitrate chilien représentait l'une des principales ressources du pays. À son apogée, la ville d'Humberstone pouvait abriter plus de 3 700 habitants. En revanche, leurs conditions de vie étaient déplorables et terribles. L'esclavage se faisait dans les deux villes et les travailleurs, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, subissaient souvent une mort horrible. De nombreux historiens pensent que les deux villes seraient hantées en raison de la dureté du traitement fait aux personnes qui y vivaient et travaillaient. Cependant, en 1935, les deux sociétés firent faillite et furent rachetées par une entreprise chilienne. Après la modernisation des usines et une période de croissance, le gisement s'épuise finalement dans les années 1960. Par la suite, tous les habitants décidèrent de quitter définitivement les lieux et abandonnèrent les deux cités minières. En 1970, cela devint alors des villes fantômes. Les deux sites furent déclarés monuments nationaux et les premiers touristes pouvaient désormais visiter les lieux. Dès lors, les premiers témoignages d'activités dites paranormales sont rapportés aux autorités. À la Noria, dans la partie nord de la ville, des témoins ont déclaré avoir entendu des voix désincarnées, des pas autour d'eux alors qu'ils se trouvaient seuls. Au sud de la ville, d'autres témoins vont rapporter avoir vu de mystérieuses formes humaines apparaître dans les rues. Mais l'une des plus terrifiantes particularités de la Noria est sans nul doute son cimetière. Pour les habitants de la région, cet endroit est le plus effrayant au monde. Ils affirment qu'à la nuit tombée, les morts sortent de leurs tombes et se dirigent tous en direction de la ville. Fait plus étrange encore, dans le cimetière, plusieurs tombes sont ouvertes et l'on peut apercevoir les squelettes dans leurs cercueils. Dans la ville d'Humberstone, un grand nombre de personnes affirment eux aussi avoir pu entendre des voix d'enfants en train de jouer. On peut également apercevoir l'apparition d'un visage sur la fenêtre de l'école. De nos jours, il est tout à fait possible de pouvoir visiter ces villes fantômes. En 2005, ce site fut classé par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en danger. En 1859, dans l'est de la Californie aux États-Unis, quatre prospecteurs, parmi lesquels un certain Williams Bodey, découvrirent de l'or sur les contreforts de la Sierra Nevada. Ils établirent un camp à proximité du gisement. Quelques mois plus tard, alors que William Bodey revenait de Monoville, où il était allé chercher du ravitaillement, il se retrouva coincé dans une tempête de neige et n'en revint jamais. Quelque temps après sa disparition, un petit village de mineurs qui devait porter son nom fut créé. Mais comme personne ne savait écrire celui-ci, Bodey se transforma en Body, pour terminer en Body. En 1861, une mine fut officiellement ouverte, ce qui attira de plus en plus de mineurs. Puis, en 1877, la mine fut rachetée, formant la SCMC. Peu de temps après, un énorme éboulement s'y produisit, ce qui révéla une importante veine d'or. La nouvelle se répandit rapidement et de nombreuses personnes qui rêvaient de fortune se précipitèrent à Body. En 1878, le petit village qui abritait quelques mineurs était devenu l'une des plus importantes villes de Californie avec plus de 10 000 habitants. Puis, en 1880, de nouveaux gisements miniers prometteurs furent découverts dans différents états, ce qui poussa une grande partie de la population à quitter Body. De nombreuses sociétés minières firent faillite, ce qui entraînera de nouvelles vagues de départ. À la fin de cette même année, la ville ne comptait plus que 3 000 habitants. En 1932, alors que Body ne comptait pas plus de 600 hommes, un enfant déclenchera un incendie dévastateur qui détruira 90% de la ville. Après la Seconde Guerre mondiale, Body était définitivement devenue une ville fantôme. Elle resta abandonnée pendant des années avant de devenir la propriété du State Historic Park.
En 1964, des travaux furent entrepris pour protéger les 168 bâtiments restants et le cimetière. Mais son histoire ne s'arrête pas pour autant. En effet, la ville de Bodhi connaît de nombreuses histoires de hantises et son activité paranormale est très réputée pour les chasseurs de fantômes. Le cas de manifestation le plus fréquent concerne la maison d'un certain Jim Kane. D'après son passé, Monsieur Kane avait engagé une jeune femme comme domestique. Mais peu de temps après, des rumeurs s'étaient répandues dans la ville comme étant devenue sa maîtresse. Pour faire taire cette rumeur, Jim Kane la congédia sur le champ. Déshonorée, la femme se serait donné la mort. Certaines personnes affirment que l'esprit de la malheureuse hanterait toujours la maison de son prétendu amant et serait responsable de toutes ces étranges manifestations. Des enfants ont pu apercevoir le fantôme de cette femme dans leur chambre à coucher. On peut également sentir une mystérieuse présence nous observer, les lumières s'allumer toutes seules. On peut également y entendre le son d'une musique ou des bruits de pas, ainsi que des portes qui s'ouvrent ou se ferment d'elles-mêmes. On raconte également qu'une malédiction s'abattrait sur quiconque souhaitant rapporter un objet en souvenir de ce lieu. De nos jours, il est tout à fait possible de visiter ce village fantôme. Vous voilà prévenus, les spectres de cette ville n'attendent plus que vous.